tout le monde, c'est Marco et on se retrouve sur Simulator. Après, c'était Goat Simulator, hein. Vous êtes pas con quand même. Chers téléspectateurs, en vue des séquences totalement débiles qui vont suivre, je vous invite à nouveau à débrancher votre cerveau par mesure de sécurité. Et surtout, n'oubliez pas, pour sauver les bambous, mangez un panda. Ok, épisode 2 de Goat Simulator. Et oui, je fais coucou avec un... Ah, pardon, excusez-moi, je voulais juste voir le piquet. Hein, excusez-moi. Bon alors, on va partir un peu à l'exploration, l'exploration. Oh, des cailloux. Mais moi j'aime les cailloux. Ok, il faut... J'ai cassé Golden Age. En hommage à Stone Age, hein. Mais moi j'aime les cailloux. Viens, je plante un gros caillou avec ma langue et je vais le tirer. Ça va être mon caillou de compagnie. Voilà. Moi j'ai mon caillou de compagnie, hein. Parce que j'aime bien les cailloux de compagnie. Bon, c'est un peu dur. C'est vrai que... Comment... C'est un peu dur à transporter des fois. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir un petit caillou de compagnie. Bon, allez, vas-y. Toi, là, tout à l'heure, tu m'as cassé les couilles. J'ai voulu faire copain-copain avec toi. On va voir. Tu vas faire copain-copain avec le caillou, là. On va voir qui c'est qui fait le mariole, là. Hein, allez. Putain, c'était nul. La voiture, non mais... Le caillou, il fait trois fois sa taille. Ah, par contre, j'ai vraiment une langue extensible. Bon, je suis désolé. J'ai perdu mon caillou. Non, reviens, caillou. Voilà, caillou. Allez, c'est mon nouveau pote. Ah, c'est mon nouveau pote, ce caillou. Ah, allez, je veux aller faire... tiens, je vais prendre l'accent québécois, parce que l'accent québécois, une fois, c'est plutôt mal. Hein. Allez. Excuse-moi, tu me tires sur la langue. J'aimerais bien. Tu me tires un petit peu sur la langue. Ça fait un tout petit peu mal, là. Caillou. Reviens tout de suite. Caillou, reviens. Non. Voilà. Parfait. J'ai un petit problème de... Oui. Moi, je fais du caillou avec mon trampo. Ok, je ne sais pas viser. Je fais du trampoline avec mon caillou une fois parce que c'est mon pote. Moi, j'aime bien partager des trucs comme ça avec mes potes et tout. Faire du trampoline une fois. Tout va bien. Moi, je fais tourner mon caillou au-dessus de ma tête. T'es chauffé de tourner ton caillou au-dessus de ta tête. Bref. Bon. Ciao caillou, je te laisse, c'est une belle histoire d'amour. Aïe. Je m'en vais vers d'autres... Je vais voir d'autres cailloux, je vais te tromper avec d'autres cailloux. Oh, une grue. Allez, grue. Je crois qu'on a un petit problème de collision entre la grue et la chèvre. Une petite incompréhension, là. Est-ce que ça va, madame la chèvre? Ah bah oui, tout va très bien, mais je tourne la tête dans tous les sens, hein. Y a pas de souci. Mais... Excusez-moi. Bonjour. Au revoir. Ah merde, je suis tombé. Désolé. Il fallait que j'ai vu, il fallait que je rentre dedans. C'était un devoir de chèvre. Vous pouvez pas comprendre, vous êtes pas une chèvre. Moi je suis une chèvre. Voilà. J'ai le devoir de chèvre. On va rentrer dans les gens. Hein. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Ah tu as peur hein. Regarde. Ah t'as peur hein. Ah t'as peur. là je pense que t'as des raisons d'avoir peur. Mais vas-y, gratte-moi le dos. Ah. Non, je ne t'ai pas demandé de faire le pont, excuse-moi. Ah ouais, tu le prends comme ça. Eh bah vas-y, voilà, coup de patte, tiens, prends ça. Eh bam, c'est la flagellation avec les pattes de chèvre. Le combat couché, vs une chèvre. Tiens, ou plutôt un T-Rex, en fait, on sait pas trop, hein. Toi, je veux t'avoir. Et c'est un échec. Bon. Je vais l'avoir. Je vais avoir ce putain de deltaplane. Ok. Essai numéro 2, deltaplane. Donc, toi, moi, les autres. Ah ! Moi, je l'ai eu. Oh, wow. Tout va bien, Houston. Je suis accroché à un deltaplane. Un objet non identifié. Waouh, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, à droite. Pardon, excusez-moi. C'est cette chef qui m'a hypnotisé avec son deltaplane. Bonjour, ce mec est dans un sarcophage, j'ai bien l'impression. Le mec n'a qu'une jambe. En fait, oui, voilà, c'est un... Nous avons trouvé tout en camon, les amis. Il est là, vivant, il fait du deltaplane dans Goat Simulator. Tout va bien. Une découverte scientifique aujourd'hui pour...
de la plus haute importance, nous avons redécouvert Toutankhamon dans son sarcophage. Excuse-moi, je me drop ici. Merci. Merci bien pour ce petit voyage. Ah, toi, je veux aller voir ce qu'il y a là-dedans. Comme ça, c'est sûr, je vais pas y arriver. Ok. Je veux savoir ce qu'il y a dans ce conteneur. Zlatan arrive pour taper dans le ballon et c'est la barre, la barre, la barre. Et voilà, Zlatan n'a pas marqué cette fois-ci. Un tube. Ouh, je suis plus gros. Ouh, je suis plus petit. Ouh, c'est magique. Big Chèvre incoming. Chèvre Zilla arrive. C'est Godzilla. je vais faire une blague de merde sans même m'en rendre compte. Je suis... Goat, Zilla, craignez-moi, bande d'humains perfides. Allez. Pardon. Tiens, j'ai une petite envie, tiens, si j'allais aux toilettes. Et voilà, c'est fait. Daily routine. Ok, fort bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par ici? Ah, je suis une chèvre satanique. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire ici. Certainement, peut-être se rouler par terre. Les gars, je me roule par terre. Non, ça marche pas. Non, pas du tout. Allez, les mecs, quoi, je me roule par terre. Les gars, allez, quoi. Salut, si. Ah, si, je me roule par terre, là, allez. Putain, il veut pas, ça m'énerve, ça. Ça me saoule. Bon. Où vais-je? Pardon? Oui, non, cet escalier n'est pas trop grand pour moi. Ah, excuse-moi, excuse-moi, la famille, t'étais pas de la famille, je devais t'éliminer, c'était la mafia chef qui t'arrivait. Non, cet escalier n'est pas trop grand! Pas du tout! Une porte. Ah, tiens, je rentrais. What? Ok, je suis dans un château! Tout va bien! Nous sommes dans une dimension parallèle où... Le couronnement du roi arrive. Ah, des cadavres de chèvres. Mes sujets chèvres, aimez-moi. Ah, c'est de là le cri T-Rex. Ah. Je crois que je vais être proclamé roi chèvre. Oui, je suis God for the Goat. Je peux invoquer des passants. Des sous-fifres. Bonjour, il pleut des chèvres. Il pleut des chèvres, tout va bien. Bonjour, je fais pleuvoir des chèvres. Je vais faire du trampoline en faisant pleuvoir des chèvres. Combien je peux faire pleuvoir de chèvres. Ah oui, il pleut des chèvres. Pas de soucis, ce n'est pas un souci. John, je te fais pleuvoir des... Je ne sais pas parler. John, il pleut des chèvres, s'il te plaît. John, fais quelque chose, il pleut des chèvres. Ah, Michael Bay. Yeah. C'est l'apocalypse. Attention, attaque de chèvres. Attaque de chèvres incoming. Les gars, faites gaffe, il pleut des chèvres. Les mecs, regardez, il pleut des chèvres. rien à foutre, il pleut des chèvres, mais rien à foutre. Ah voilà, par contre, dès que je rentre dans quelqu'un, tout le monde se barre, hein. Voilà. Bravo, belle mentalité. Putain, ça me fait laguer de faire pleuvoir trop de chèvres. Oups, excusez-moi, j'ai eu un problème moteur, là, ma chèvre a eu un problème moteur. Ok, vas-y, on va faire pleuvoir des chèvres là-dessus. C'est marqué 5, je vais faire pleuvoir 5 chèvres. Bon, allez, je vais faire pleuvoir plein de chèvres. Allez, vas-y. Allez, est-ce que ça va faire quelque chose? Ça fait quelque chose! Waouh! Bonjour, mesdames et messieurs, veuillez accueillir la chèvre démoniaque. Notre nouveau modèle de chèvre, la chèvre démoniaque. Oui, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste une chèvre un peu démoniaque sur les bords avec des super pouvoirs. Alors testons ce super pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les yeux rouges. Je suis vilain. J'aime pas qu'on me fâche. Waouh. Ah, maman, j'ai peur. Est-ce que toi aussi ton cerveau vient de faire? Parce que moi, oui, atterrissage. Parfait. Je suis dans Top Gun, un atterrissage digne. Après la chèvre, je vous présente la girafe, les amis, la girafe équipée de son jetpack tout terrain. Bonjour, tout va bien, je suis une girafe. Pa pa la pa la. Pardon, toi aussi, oui, j'aimerais bien te... Oui.
Toi aussi t'es mon pote. Tiens, je vais me faire un petit collier avec toi. Oh puis non, tiens. Ah, bah girafe contre camion, c'est encore le camion qui gagne. Ah ben, bah voilà, jetpack incoming. Oh yeah. Je suis Sean White, je fais des figures en jetpack. Sans snowboard, oui. Et puis sans neige, voilà. Hein, me faites pas chier, tiens. Non, mais les camions, vous devrez savoir que les girafes, c'est des espèces en voie de disparition. Faut arrêter de... Ça m'énerve, j'ai l'impression que le monde est contre les girafes, hein. Ah, c'est ça, hein, vous le prenez comme ça. Hein? Eh bah, jetpack. Ah bah, jetpack, encore. Jetpack en l'air, voilà. Puisque c'est ça, je m'en vais. C'est n'importe quoi. Alors, bon. En attendant... Est-ce qu'une girafe peut faire du trampoline? Ah bah oui, bien sûr, une girafe peut faire tout à fait du trampoline. Youhou, démembration. Youhou. D'accord, tout va bien. Je vois qu'on a aussi un léger problème de coordination pour monter les grues et les échelles. Wow, breakdance. Cette girafe fait du moonwalk en montant des échelles. C'est quand même assez classe. Moi je trouve que ça a de la gueule. Pardon, j'aimerais rentrer dans le château. Est-ce qu'il y a un château girafe, s'il vous plaît? Non. On me dit qu'il n'y a pas de château girafe. Bon, bah, je m'en vais. Ah ah, passant. Affronter la toute puissance des girafes. Tiens, je tape par terre. Tiens. Voilà, ça vous apprendra à sous-estimer les girafes. Non, mais où? Ah, puis jetpack pour l'occasion. Parce que le jetpack c'est bien. Ok, retour à la chèvre. Youhou. Oh non, mais je suis... Sérieux? Oh tiens, je crois qu'il y avait un truc à collectionner là-dedans. Oh trop bien. Trop bien. Par où j'y vais? Par où je rentre? Où c'est qu'on rentre dedans? Il est où le mode d'emploi pour rentrer là-dedans? Allez. Ah, j'ai chopé, voilà. Petite chèvre. Ah, j'ai chopé un truc. Comment on ressort? Aidez-moi! Aidez-moi, je suis bloqué! Aidez-moi, je suis claustrophobe! Je suis claustrophobe des clochers! Ok, je veux rentrer dans ce container. Coûte que coûte. Même si ça me coûte la vie, ma vie de chèvre. Je rentrerai dans ce container. Peut-être une autre fois. Et c'est parti pour un deuxième essai avec un jetpack! Ouais, toujours. Le jetpack qui va beaucoup m'aider, je pense. Allez! Allez les mecs, on y va, on est chaud. Bientôt. Il me faut l'angle parfait, tu comprends? Ça a été étudié pendant des semaines. Pas ici, non, pas maintenant, je ne peux pas, je le sens pas. Allez, cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Go! Oh oui, je suis un dieu. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, pas un robot. Non, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, pardon? Je crois que je l'ai éjecté. Ah, dommage. Ok! J'ai réussi à rentrer dans ce conteneur, c'était trop bien. Bref, je crois que c'est tout pour Goat Simulator. J'espère que vous avez aimé ces deux vidéos. Je vous invite, je vais vous faire un petit résumé de ce que je pense du jeu quand même, parce que, à part des séquences what the fuck, j'ai pas montré grand chose. Alors le jeu c'est simple, j'ai joué une soirée, je l'ai fini en 2 heures. Vous en faites très vite le tour, ne l'achetez pas. Vous pouvez y jouer, mais ne l'achetez pas, sauf si il rajoute vraiment beaucoup de contenu, parce que là pour l'instant, c'est 10€ pour 2 heures de jeu, et après vous allez vous faire chier, enfin ça devient très vite répétitif. C'est sûr que c'est super marrant, c'est complètement débile, et au début c'est super drôle. Mais même moi, après 2 heures de jeu, ça me cassait les... Enfin, ça... Les chèvres, j'en avais plus que marre. Ça me saoulait déjà, tu vois. Et du coup, à moins qu'ils rajoutent vraiment du gros contenu, qu'ils fassent par exemple des quêtes, ou qu'ils fassent un RPG où on est une chèvre et tout, t'as vu bien si la famille... Ben franchement, pour l'instant, ça vaut pas le coup de l'acheter. Trouvez-le sur Google, quoi. Voilà, hein. J'espère que ces vidéos vous auront plu, et sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir. Et surtout, devenez pas trop chèvre, hein, parce que, comme vous avez pu le voir, c'est pas très bon à la santé.